Aux armes citoyens. <laughs> bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont en train de se connecter là. Alors, euh, comme d'habitude, on fait d'abord la cérémonie de partage. Hein. Étant donné qu'ils ont restreint les anciennes pages, obligés de créer une nouvelle page. On recommence à zéro, on ne lâche rien. Donc euh, du coup, on partage pour interpeller le plus de monde comme d'habitude. Hum. Permettez-moi également de partager aussi d'abord sur l'ancienne page quand même. Encore. Hum. Voilà, c'est bon. J'ai mis sur Alpha. Comme ça là, nous allons nous en avons au moins pour 5 minutes pour que les gens puissent venir se connecter en attendant. Donc je vais essayer de voir comment le direct se comporte ici sur ma tablette. Oui, je suis en direct. OK. Bonsoir, ma mère Annie Choco. Comment tu vas? C'est je bonsoir bonsoir Jeanne Adèle bonsoir bonsoir à tout le monde Bobby de Berlin bonsoir bonsoir euh, à tous ceux qui sont en train de se connecter à tous ceux qui vont se connecter après on a cinq minutes hein. on ne peut pas prendre juste deux minutes pour partager puis c'est la page nouvelle faut que les gens se connectent donc on a cinq minutes je vois même euh, mon grand frère Clou à qui est connecté là euh, Julie Lima bonsoir Bonsoir, 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 ploum, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Comme je disais tantôt, terme du direct, on a été obligé de créer une nouvelle page parce qu'on ne lâche rien. Le régime tente de nous museler par tous les moyens. Bonsoir Lisa, bonsoir Lisa -Rocca. bonsoir Karine. Tu, tu pensais que tu allais te quoi Ma mère, je t'ai envoyé une invitation pour être euh, modératrice comme d'habitude, pour que tu me pour que tu me supprimes un peu les gens, tu me supprimes les gens là à gauche, à droite, là supprime-moi tout le monde. Je viens de voir un petit sardinat là qui se croit trop intéressant là d'habitude, mais qui pleure à tout moment comme euh, une petite salope. Je ne sais pas ce qu'il fout dans le live ici, Mais quand même, je vais lui présenter mes condoléances parce que j'ai appris qu'il a perdu sa fille. On peut être des grands adversaires, mais la mort n'est pas une bonne chose. La mort n'a jamais été une bonne chose encore quand on perd son enfant. Donc, je vais lui présenter mes condoléances parce que j'aurais appris cela. Et ben, je vais quand même demander à Karine de le bloquer parce que, comme d'habitude, il n'a toujours pas compris. C'est lui qui se plaint de ce même régime, mais c'est lui qui vient combattre ceux qui combattent le régime. C'est-à-dire, on se pose souvent la question de savoir si les gens là, ils ont. En fait, le Sardinat n'a pas de tête. C'est lui qui se plaint de la persécution du régime. C'est lui qui se plaint qu'il a perdu son enfant. Personne ne fait, personne ne fait ça. Et c'est lui qui vient encore combattre ceux qui veulent en fait que ça change. Mon frère, on se bat comme ça pour que les avantages que tu as ici-là en Europe, tu puisses les avoir au Cameroun. On se bat comme ça là pour que les millions et les millions de migrants clandestins qui prennent la route du désert et de la Méditerranée ne prennent plus cette route parce que l'aile Dorado se retrouvera en Afrique si nous avons des bons dirigeants. Paul Biya n'est pas un bon dirigeant. Les dirigeants du Cameroun ne sont pas des bons dirigeants. S'ils étaient des bons dirigeants, les gens ne devaient pas partir en Europe coûte que coûte, en prenant la route du désert, en prenant la route de la mer. Quand on regarde les statistiques, c'est effrayant. Quand on regarde le nombre de personnes, de jeunes Africains qui perdent la vie dans le désert, dans la Méditerranée, pour venir en Europe, l'espoir de l'Europe, croyant que c'est vraiment l'Eldorado, c'est alarmant, c'est effrayant. Donc, voir des jeunes comme ça... Qui, il, il se plaint d'avoir sacrifié sa vie. Parce qu'on m'a envoyé ça sur WhatsApp. J'ai seulement dit, ouais, voilà un perdu. Et là, voilà, là, je ne vais pas le nommer. Vous tous, vous le connaissez. Le petit Toto qui aime trop se balader partout, là. Je ne vais pas le nommer, là. Mais il se plaint. De, voilà, on m'a abandonné. J'ai perdu ma fille. Je ne peux même pas aller l'enterrer et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, même quand on connaît même les sardines, on se pose même la question de savoir si ce n'est pas une nana qui l'a créée juste pour se faire de l'argent en disant qu'il a perdu son enfant. Mmh. Bref, je ne dis rien. Moi, j'ai seulement lui qui a perdu son enfant. Donc, en tant qu'humain, je lui présente mes condoléances. Et je vais lui rappeler encore qu'on se bat comme on se bat là pour des cons comme lui. On se bat comme on se bat là pour que les connards comme lui comprennent que nos pays ont les ressources, le potentiel pour se développer plus que l'Occident. Malheureusement, nous avons à la tête de nos États des personnes qui font tout, sauf ce pourquoi. Ils ont été mis à la tête de ces pays. C'est la seule chose qu'on veut faire comprendre au connards comme celui-là. Mais, comme la sardine n'a pas de tête, au lieu de réfléchir avec la tête, comme ils n'ont pas de tête, ils vont réfléchir avec le ventre. Quel genre de réflexion, pu, mu, du, su, sortira de leur bouche Aucune réflexion. Ils ne réfléchissent qu'avec son ventre. Ce n'est que ça. Donc, ce n'est que normal. Qui se retrouvent dans ce genre de situation, en train de pleurer que le régime est en train de le persécuter, il y a mandat d'arrêt, il y a ceci, cela. En même temps, ils viennent encore combattre ceux qui veulent que ces choses changent. C'est à savoir si vraiment ces personnes-ci-là savent même ce qu'elles font ou alors ils sont dans, un, dans une comédie. Parce que parfois, vous savez, il y a des gens qui créent parfois des histoires pour s'attirer la sympathie des gens. Il y en a, vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau les gens sont capables de partir, même jusqu'à euh, jusqu simuler la mort d'un proche pour attirer un peu de sympathie. Les gens sont capables. Parce que quand tu vois cette façon de réfléchir, tu comprends qu'ils sont capables de ça. Parce que moi, je ne pouvais même pas imaginer que ce Toto allait venir se balader dans mon live pour continuer de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Oh, c'est lui qui est en train de se plaindre de ce que je combats. Donc, vous comprenez que quelque part, peut-être, vous allez voir qu'il a simulé, euh, euh, n'est-ce pas, euh, la perte de son enfant pour s'attirer la sympathie des gens. Vous voyez un peu, je ne dis pas que c'est ça, hein, je dis juste si, parce qu'à vu sa façon de réfléchir, il est capable de le faire. Mais quand même, en tant, tant qu'humain, je, je ne suis pas au courant de ce qui se passe de leur côté. Je présente mes condoléances parce qu'on m'a annoncé un décès. C'est tout. Le reste, je ne veux même pas savoir. Mais seulement, il faut que les connards comme lui arrêtent de venir se pavaner à gauche, à droite pour raconter des histoires à dormir debout. Voilà. Donc, euh, voilà, il y en a qui disent qu'il manque, que son enfant n'est pas mort, il a juste besoin d'argent. Ils sont capables. Ils, ont, ils sont capables de faire ça. Jusqu'à simuler la mort de leur. Je ne sais pas, je suis pas au courant. Donc, euh, voilà. Et puis, voilà, il continue tout de se pavaner là. Et tout ça, vous voyez que, en fait, le comportement de quelqu'un pousse, n'est-ce pas, à croire que la personne, en réalité, ne dit pas la vérité. Bon, je vois que nous sommes déjà assez nombreux connectés sur la nouvelle page c'est une très bonne chose. Maman Karine... Euh Karine, s'il te plaît, accepte euh, l'invitation comme modératrice et tu commences à me bloquer les connards là. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux ici. Nous sommes déjà assez nombreux. Nous pouvons commencer. Alors, il y a un phénomène qui sévit. Il y a un phénomène qui sévit actuellement dans notre pays. Vous savez, actuellement ici nous, où nous sommes, vous avez appris qu'il y a des, des vagues de confinement qui reprennent. En Europe, je vais commencer par le début pour qu'on essaye de. Entre temps, continuer le partage parce qu'il faut que les gens. Euh, je ne sais pas comment je vais te renvoyer ça là maintenant. Bon, écoute, je vais essayer de faire ça. Le temps que. Bon, s'il vous plaît, donnez-moi deux minutes. Le de temps que vous partagez encore le live. Comme ça, je, je renvoie l'invitation à Karine pour qu'elle puisse se connecter et bloquer les idiots. Euh, attends. Je commence déjà à bloquer moi-même. Parce que quand quelqu'un copie colle le même commentaire plusieurs fois. Ça veut dire qu'il faut seulement le bloquer. Euh, Donnez-moi juste deux minutes. Et pendant les deux minutes, s'il vous plaît, essayons encore de partager euh, le live. Comme ça, je vais rapidement rôle. Voilà. Euh, ouais. Elle a tellement reçu les notifications. Je suis en train d'ajouter... Je suis en train d'ajouter euh, Karine. Voilà. Comme, euh, comme ça, là, elle pourra... Voilà. Je t'ajoute comme modérateur. ajouter. Comme ça, tu me fais le nettoyage, ma mère. Je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà, Voilà donc. j'étais t'ai aj ajouté. Et puis, euh, on attend juste que tu... Que tu, tu te connectes pour pouvoir faire le boulot. <laughs> Comme ça là, ceux qui sont là et qui ne, qui ne peuvent pas partir pourront partir. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bien. Je viens ce soir vers vous pour tirer la sonnette d'alarme. Pour vous dire quelque chose. S'il vous plaît, soyons responsables. Parce que là, c'est grave ce qui est en train de se passer. Et à cause de la médiocrité de nos dirigeants, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, avec une hécatome, je ne sais pas. Nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes confus. J'étais de disant ce que, ici en Europe, vous voyez, il y a des vagues de confinement parce qu'il y a une nouvelle souche du coronavirus qui a apparu. Je vous dis même partout où nous sommes en France, partout là, c'est confinement sur confinement. Ça ne rigole pas. Mais chez nous en Afrique, avec les dirigeants véreux que nous avons dans nos États, observez bien ce qui se passe. Rien n'est respecté. Rien du tout. Aucun confinement. Il n'y a rien. Selon les statistiques de l'OMS, les pays les plus touchés en Afrique sont l'Afrique du Sud l'Éthiopie, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie. Lorsque vous allez regarder les statistiques de ces pays-là, vous allez voir que sur le domaine de la santé, ce sont les pays en Afrique les plus avancés. J'ai dit oui, même l'Éthiopie est plus avancée sur le domaine de la santé que beaucoup de pays en Afrique. L'Afrique du Sud a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Re, maintenant, posez-vous la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ce fameux coronavirus fait autant de morts dans ces différents pays qui sont parmi les plus développés en Afrique En fait, c'est même les pays qui ont un niveau de développement vraiment très élevé. Posez-vous cette question. Eh bien, c'est parce que à la base, leur système médical est bien structuré, donc ils sont capables d'avoir des statistiques fiables. Ils sont capables de recenser les morts, de recenser les personnes contaminées. Ils sont capables de faire un recensement facile parce qu'ils ont des assurances de santé. Ils ont un système de santé bien canalisé. Observez bien les pays dans lesquels on n'a pas de statistiques liées au Covid. On ne sait pas il y a combien de morts. Les ministres parlent seulement en haut, ils parlent en bas. Les pays sous-développés, notamment le nôtre, le Cameroun. Le ministre de la Santé se pavane sur les réseaux sociaux matin, midi, soir pour donner des chiffres bizarres. Aujourd'hui, il donne un chiffre demain, il donne l'autre. On sent que ce sont des chiffres, euh, comment dire, hasardeux. Parce que si on pose la question à Manaoud, à Malachi, est-ce que tu es parti au fin fond à l'est? Est-ce que tu es parti au fin fond du sud? Est-ce que tu es parti au nord-ouest et au sud-ouest pour faire les statistiques globales des personnes qui ont été contaminées par le Covid? Des personnes qui sont mortes du COVID, étant donné qu'il y a des villages, il y a des endroits, encore en 2021 au Cameroun, où il n'y a pas de centre de santé. Il y a des villages où il n'y a pas de centre de santé. Il y a des villages où des personnes ne sont même pas recensées. Et le plus grave, le plus grave dans tout ça, c'est qu'ici en Occident, Là où vous entendez les chiffres, Covid a tué, Covid a tué. En réalité, lorsque vous regardez les chiffres, pour nous, les Africains qui sommes habitués aux morts, il n'y a vraiment rien d'alarmant. Malheureusement, euh, mais seulement, excusez-moi, pour les gens ici si chez qui nous sommes, c'est alarmant. Ce que je vous dis là, c'est lié au chan, au, à la compétition qui est en train de se jouer actuellement jusqu'à les gens sont, ils sont en train de jubiler. J'en viens. En fait, ici-là, chez eux, quand il y a déjà 1000 morts par rapport à la même cause, pour eux c'est une pandémie, c'est alarmant, il faut faire quelque chose, il faut protéger, il faut le confinement, il faut... Quand il y a 100 morts, 100 morts, à cause d'une même maladie, en un laps de temps, il faut protéger, il faut confiner, il faut, il faut, chez eux c'est un scandale. C'est un scandale. Comment ils font pour recenser ces morts C'est parce que leur système de santé est bien canalisé. Vous avez la possibilité de prendre le téléphone, appeler votre docteur, exposer votre problème. Votre docteur est capable de vous suivre à la trace. Contrairement à nous, où on n'a même pas la possibilité d'appeler un docteur quand on est malade. Donc, les gens sont en train de mourir du Covid-19 au Cameroun et dans beaucoup de pays en Afrique. Je parle beaucoup plus du Cameroun parce que c'est notre pays. Les gens sont en train de mourir à huis clos. Le COVID-19 est en train de faire un massacre à huis clos dans notre pays. Vous n'avez pas les statistiques, ça n'a l'air de rien, parce que nous sommes habitués à la mort. Je vous dis, le COVID est en train de tuer les gens dans notre pays, mais ça passe comme si c'était quelque chose de normal. Je vais vous prendre maintenant le cas de l'Italie. Et c'est là où je vais rebondir sur le chant qui est en train de se jouer. Où je vois les gens sont contents. Oh, les grands stades. Oh, les ceci. Oh, ils partent au stade. Ils sont là. Ils sont au marché. Mokolo, machin. Dokoti, Ils se mélangent. Ils se mélangent. Ils se contaminent. Le Covid-19 est une réalité. Et sachez que, je me répète bien, ce qui fait beaucoup de morts ici, n'est-ce pas? Ce qui fait en sorte que des statistiques démontrent qu'il y a beaucoup de morts, c'est parce que les gens sont suivis. Les gens sont suivis à la trace. Le système de santé est bien structuré. Donc on peut détecter facilement des cas. Mais chez nous, le système de santé, n il n'y a pas de système de santé. Donc vous ne pouvez pas avoir des statistiques liées à la pandémie du Covid. Je vous le dis, les gens meurent du Covid au Cameroun à huis clos. Parce que regardez comment ce virus se comporte. Il tue. Il ne rigole pas, il tue. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a eu des navettes entre la France et le Cameroun. Le Covid est arrivé au Cameroun, mais on n'a pas de statistiques sur les morts dues au Covid. On dit juste que bah ben voilà, il y a seulement eu 100 morts, il y a seulement eu 200 morts. S'il si y a déjà eu un mort du Covid au Cameroun, ça veut dire que le Covid est partout au Cameroun. Donc, je disais que je vais revenir donc sur le lien avec le championnat qui est en train de se jouer actuellement. Regardez l'Italie. L'Italie était le premier pays le plus touché par le Covid en Europe. Ils ont fait des mois de confinement. Il y a eu des morts et des morts. Vous savez quel a été le premier regret de l'Italie, de ce pays, des gouvernements italiens Le premier regret c'était de ne pas avoir pu anticiper. Et quelle était l'anticipation Ils ont constaté avec amertume, les Italiens ont constaté avec amertume que au lieu de construire autant de stades de football qu'ils ont là, ils auraient dû construire des hôpitaux à la place. Il y a un rapport d'un député italien avec qui j'étais en contact il était là-bas et il avait fait un rapport disant si on avait eu plus d'hôpitaux encore, au lieu de construire tel stade et tel stade et tel stade, que l'argent avec lequel on avait construit certains stades-là, qui ne nous servent à rien aujourd'hui, si cet agent avait construit certains hôpitaux, on n'aurait pas eu autant de morts. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour ceux qui ne comprennent pas où je vais en venir, je vais m'expliquer. Donc les Italiens étaient dans le regret d'avoir construit beaucoup de stades comme ça et de ne pas avoir construit au plus d'hôpitaux qu'ils en ont déjà. Ils ont compris qu'ils doivent renforcer leur système de santé. Et en fait, ils ont compris que les stades de football ne servent à rien. Ils ont compris que parfois, il faut investit beaucoup plus parce que le système de santé italien est parmi les meilleurs systèmes de santé en Europe. Je vous dis, les gens quittent de beaucoup de pays en Europe pour aller se soigner en Italie. Parce qu'ils ont l'un des meilleurs systèmes de santé mondial. Ils sont parmi les dix premiers dans le monde. Et je pense en Europe, ils sont deuxièmes, si je ne me trompe pas, après l'Allemagne. Hein, si je ne me trompe pas, l'Italie a le meilleur système, l'un des meilleurs systèmes de santé en Europe. Mais l'Italie était débordée par la pandémie du Covid. Ils ont eu le regret d'avoir construit des stades parce qu'il y a les stades dans toutes les villes en Italie. Mais ils se sont rendus compte que les stades-là ne leur servaient à rien parce qu'ils avaient des malades sous la main. Sous la main, autant pour moi. Ils avaient des malades sous la main. Il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. La France a fait le même constat. La France a fait le même constat. Il n'y avait pas moyen avec les malades qui arrivaient tous les jours, les malades arrivent. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Donc quand dans des pays comme ça, je vous rappelle, dans des pays comme ça, les gars se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux pour pouvoir contenir les malades, pour pouvoir recevoir les malades du Covid. Dans des pays comme ça, on regrette d'avoir construit des stades au lieu de construire des hôpitaux. Dans notre pays, le Cameroun, malgré la pandémie mondiale du coronavirus, les gens se vantent d'avoir des stades. Jusqu'à ce que je vois comment... On fait la une des journaux un lundi matin avec Ferdinand Gongo partout. Le pari tenu, le pari tenu, le pari tenu, le pari tenu. Oh, le chan a lieu, oh, le chan a -Lieu. Je vais vous poser une question simple. Après le chan, vous faites quoi Vous avez déjà vu où que les stades-là ont donné de apporter de l'argent ou bien apporter du travail à la jeunesse À quoi est-ce que ces stades vont vous servir Voilà donc un peuple qu'on a habitué dans la distraction. Parce que vous allez partir voir les gens courir derrière un ballon. Oh, 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 Les gens ont couru derrière le ballon, là, ici, en Europe. Fatigués. Mais quand les problèmes sont arrivés, quand la maladie est arrivée, ils ont regretté qu'au lieu de construire le stade, si on aurait dû construire un hôpital. Parce que quand on voit l'argent qu'on utilise pour construire un stade, ça peut construire un très grand hôpital qui peut soigner les populations. Donc, la priorité d'un gouvernement, c'est de pouvoir soigner les populations. Et l'erreur qu'ils ont commise ici, là, en Europe, aux États-Unis, partout, c'est le même regret. Ils n'ont pas construit assez d'hôpitaux. Pour ceux qui ne le savent pas, un être humain en santé est un malade qui s'ignore. Parce que si vous là, on met votre tête dans vos intestins pour voir ce qui s'y trame, quand vous allez sortir, vous allez mourir. Après, vous allez vous réveiller, vous allez dire que merde, non, c'était comme ça, vous allez encore mourir. Donc vous comprenez l'irresponsabilité cruciale de ce régime et de beaucoup d'autres en Afrique. Parce que, observez bien, les pays où on ne parle pas trop de coronavirus, ce sont les pays sous-développés en Afrique. Là-bas, on ne parle pas trop de Covid. Hein. Ce sont des pays sous-développés en Afrique. Ils vont prendre les statistiques sur la base de quoi Manaouda Malachi qui donne ces petites statistiques-là. Ils ont testé combien de personnes Le Cameroun, selon les statistiques, le dernier recensement, c'est 30 millions d'habitants. Manaouda Malachi, est-ce que vous avez testé les 30 millions de Camerounais Si oui, comment Nous tous, nous savons que c'est impossible. Alors vous ne pouvez pas vous contenter des Camerounais d'une ou deux villes et, et donner des statistiques nationales dues à une pandémie mondiale. En plus, en tant que ministre de la Santé, en pleine pandémie, il est irresponsable pour, de votre part d'accepter qu'on organise un championnat comme ça dans votre pays. Vous êtes le ministre de la Santé. En ce qui concerne la Santé, vous pouvez taper le point sur la table, vous pouvez dire ce, ce, ce championnat-ci. Même si on peut dire que nous n'avons pas encore vraiment le Covid au pays, ce championnat peut amener encore beaucoup de, de, de personnes qui sont porteurs du corona. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont porteurs du corona, mais des porteurs sains, ils peuvent amener le corona encore au Cameroun et contaminer les gens. Non, vous ne l'avez pas fait. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que le corona est en train de faire des ravages. Et la raison pour laquelle tout le monde croit qu'en réalité nous sommes résistants au corona, machin truc patati patata, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas un moyen de faire des statistiques. Parce que s'il y avait un moyen de faire des statistiques, je suis sûr que chacun d'entre vous serait en train de mettre les mains sur la tête comme ça là pour dire que hé, hey, oh, oui, wo wo oui, haya le Covid est en train de faire des ravages et la première chose qu'on constate, c'est l'irresponsabilité cruciale de ce régime, avec un vieux tyran qui à la fin d'année fait un discours préenregistré où il dit que bon écoutez moi j'ai constaté que vous ne vous protégez pas protégez vous quand même ici. Les présidents font les discours tous les jours en ce qui concerne le Covid parce que pour eux, 10 morts, c'est un scandale. Mais chez nous, 10 000 morts, c'est rien, c'est normal. Comment est-ce qu'on veut que les gens nous respectent J'ai vu un film hier qui parlait de, de l'immigration de clandestine. Vous voyez les barrières qu'il y a en Europe, là, euh, euh, au Maroc, quand on veut traverser pour aller en Espagne. Il y a un policier espagnol qui a expliqué aux migrants la signification de ces barrières. Il dit, quand vous regardez les barrières, que nous avons mis. Ce n'est pas pour vous dire que vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Non. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que nous, on ne veut pas, que vous n'êtes pas les bienvenus. C'est pour ça qu'on a érigé les barrières. Non. Ces barrières ont un symbole. Réglez vos problèmes. C'est ce que ces barrières signifient régler vos problèmes. Quoi qu'on dise, on va dire n'importe quoi. Les premiers responsables des problèmes que nous rencontrons dans nos pays c'est nous. Les dirigeants ont leur part de responsabilité, en fait leur responsabilité c'est qu'ils profitent de notre insouciance. Ils profitent de notre laxisme. Pour se comporter comme il se comporte là. Vous avez déjà vu où Dans un pays qui se respecte sur cette planète, en France, une partie de la France est en guerre et on organise un championnat quelque part, mais vous êtes fous. Que ça se passe comment Une partie de la France a des problèmes, est en guerre, c'est-à-dire en guerre, il y a des, on tue, pas, papa, Mais de l'autre côté, vous organisez un championnat jusqu'à vous jubiler. Mais vous êtes malade Comment est-ce qu'on veut que les gens nous respectent On ne considère pas la vie humaine chez nous. Chez nous, les gens peuvent mourir comme des mouches. C'est chose normale. Ce n'est que normal, ils n'ont qu'à mourir. Hein. Quand les autres regardent ça, ils vont seulement réfléchir comment ils vont venir profiter de nous, profiter de nous. Parce que la première chose qu'ils constatent, c'est que... Ils doivent mettre quelqu'un à la tête de nos pays pour pouvoir contrôler nos ressources, nos matières premières et consorts. Ils nous empêchent d'avoir accès à la technologie avec l'aval des, des dirigeants qui sont à la tête de nos pays. Parce que si nous avons accès à cette technologie et nous avons des bons dirigeants, nous allons nous-mêmes transformer nos matières premières. Nous ne pouvons pas être riches tant qu'on ne transforme pas nos matières premières. Et ils le savent. Le produit brut, ce n'est pas une richesse. Il faut pouvoir transformer. Si on te donne un tissu, tu fais quoi de ça Si tu ne fais pas un habit, si tu n'ajoutes pas euh, de la plus-value, euh, tu ne donnes pas une valeur ajoutée à ce tissu, tu n'es pas riche. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ils ont compris ça que non, il suffit juste que les dirigeants-là soient là. Non, il n'y a pas de problème. On traite avec les dirigeants-là et on prend les ressources qu'on a besoin, on vient développer le pays. S'ils si ne sont pas assez intelligents... Pour, laisser ses, euh, pas, pour comprendre ce qui se passe. Pas. Laissons-les, laissons on profite. Les dirigeants aussi, ils travaillent dans ce même sens. Ils ne veulent pas que le peuple comprenne ce qui se passe. Donc, parce que si le peuple ne comprend pas ce qui se passe, eux, ils vont continuer de profiter. Parce que le premier projet politique de tous les dirigeants africains, là, c'est de rester au pouvoir. C'est leur seul projet politique. Quand il dit le premier, c'est comme s'ils si ont. C'est leur seul projet politique. Donc, toutes les stratégies qu'ils mettent en place quand ils accèdent au pouvoir, c'est pour rester au pouvoir. Regardez les Idriss Déby, regardez tous ces gens. Regardez le président centrafricain. Beaucoup de personnes lui apportent son soutien. Moi, je dis vraiment, c'est un soutien naïf. Quand je vois, il y a beaucoup, il y a même des intellectuels africains des, des pseudo parce que moi je les appelle les pseudo intellectuels qui retournent leur veste comme bon leur, chan, comme bon leur sang quand leurs intérêts ne sont plus là ils retournent leur veste après quand leurs intérêts ils sont nombreux comme ça ils ont apporté leur soutien à Faustin à Archange à Touadera de la Centrafrique si ce n'est pas la malédiction c'est quoi comment un homme peut insister pour faire des présidentielles dans son pays, alors qu'il y a 14 groupes rebelles qui se sont mis ensemble pour, pour essayer de l'empêcher, n'est-ce pas, de faire ça Au lieu de se poser la question de fond, pourquoi cette rébellion La présidentielle n'a pas encore lieu. Les gens, l'opposition, la rébellion, ils disent que non, ne part pas dans la présidentielle maintenant parce qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre. Il faut d'abord résoudre ses problèmes avant la présidentielle parce qu'elle n'est pas bien organisée. Il ne comprend pas. Il peut porter la Russie, il met derrière lui. Il peut porter la France, il met derrière lui. Il peut porter, tel, il met derrière lui pour venir mater. Parce que c'est tout ce qu'il savent faire. Mater. Au lieu de comprendre, de réfléchir sur comment est-ce qu'on va régler les problèmes, il veut seulement mater. Voilà ça qui le dépasse. Il est déjà aujourd'hui 15 jours d'état d'urgence, 15 jours de non fonctionnement pour un pays. C'est appauvrir ce pays encore, encore et encore. Qu'est-ce qui était urgent pour organiser la présidentielle Parce qu'il veut être président. Il veut le statut de président de la République. Ce n'était pas urgent. Vous comprenez donc Les dirigeants africains, c'est comme ça qu'ils sont. Tous les problèmes du pays, ça ne les intéresse pas. Ils veulent d'abord être président. Parce qu'un homme réfléchit. Il n'allait pas organiser cette élection présidentielle. Un homme réfléchi, il, il allait dire à la Russie, à tous ces gens, non, 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 l'élection présidentielle peut attendre. Je veux causer avec mes frères de l'opposition, je veux causer avec tous ces gens pour comprendre ce qui les a poussés à prendre les armes. Et ils sont en train de mettre en déroute l'armée nationale centrafricaine. Non. Au lieu qu'il y ait des morts comme il y a des morts là, il suffit juste de dialoguer. Et d'après les informations que nous suivons tous les jours, ces groupes rebelles demandaient seulement le dialogue. Il y a une situation de guerre dans ton pays. Le pays est divisé en deux, mais c'est toi qui forces pour organiser les élections. C'est la même chose que Bia fait. Beaucoup d'autres présidents font pareil. Ils disent des qui est parti appeler la France de venir bombarder. Les positions rebelles au Tchad. Tu peux demander aux étrangers de venir bombarder ton pays pour tuer tes compatriotes qui ne sont pas contents de ta gestion. C'est la même chose que Faustin-Archange Touadera est parti faire. Tu peux prendre les Russes pour venir bombarder les Centrafricains. africains, tes propres compatriotes qui ne sont pas contents. Voilà donc comment nous en Afrique, il y a des morts mais on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est la présidence. Et c'est pour ça que ces gens-ci nous méprisent. Les choses comme le COVID-19, là, c'est en train de tuer chez nous, abondamment. Mais tellement nous sommes, nous, nous comportons comme des animaux. On voit des gens mourir, mais on dit, ah, dis donc, ah, dis donc, ah, dis donc. Je vais vous dire quelque chose encore. Si on fait des statistiques, des tests massifs, du VIH SIDA au Cameroun là, vous serez surpris de voir que au moins, ce, je sais pas, au moins ce 60% des jeunes Camerounais sont contaminés par cette histoire. Parce que le degré de prostitution de nos jeunes sœurs dans ce pays à cause de la misère a atteint son paroxysme. Je vous le dis parce que je reçois des informations tous les jours. Si on met tous les jeunes camerounais là, on fait des tests. D'ailleurs, il y a une année là où on avait fait des tests dans certains lycées, vous avez vu qu'il y avait au moins 40%, 35%, 50%, 60% des élèves dans les établissements qui étaient contaminés par le VIH. Et c'est en train de tuer à petit feu. C'est en train de tuer à petit feu. C'est en train de tuer à petit feu. Mais attends un peu, quelqu'un me dit je ne comprends rien à la RCA. Est-ce que j'ai besoin de comprendre quelque chose Est-ce que toi tu as besoin de comprendre quelque chose à la politique de la RCA La seule chose que je comprends c'est que Faustin akanj Toadera a organisé des élections présidentielles alors qu'un groupe avait pris les armes dans son pays. La priorité ce n'est pas l'élection présidentielle, la priorité c'est résoudre les problèmes parce que des gens meurent. On ne peut pas organiser une élection présidentielle en France, en Italie, en Allemagne, quand il y a une partie du pays qui est en guerre. Ils ne vont jamais le faire. D'ailleurs, ils vont même organiser comment les, Le pays même sera en guerre comment Parce qu'on prend toujours les problèmes des, des citoyens au sérieux. Donc vous ne pouvez pas organiser des élections présidentielles dans un pays en guerre. Et vous dites que vous êtes président. Président de quoi C'est la seule chose à comprendre. Je ne veux pas aller en profondeur de la politique. Les rebelles-là peuvent avoir raison ou bien ils peuvent avoir tort d'avoir pris les armes. C'est leur problème. Mais toujours est-il que la réalité est là. C'est un fait. Ils ont les armes. Et ils font la guerre. Ils sont en train de faire la guerre. En Centrafrique, ils font la guerre. C'est la malédiction. C'est la malédiction ou c'est quoi C'est le pouvoir de quoi C'est de ça qu'il est question. Non, je fais un lien, je fais un lien avec cette histoire de Covid. Je suis en train de parler de la négligence, de la simplification du nombre de morts qu'il y a dans nos pays en Afrique. N'est-ce pas de, de la méchanceté de nos dirigeants. De la méchanceté de nos dirigeants. C'est de la méchanceté. Comment est-ce que nous n'avons pas un système de santé qui est bien... Bien tracé pour pouvoir détecter les gens qui sont malades et les soigner. Hum? Comment Votre président Paul Biya, d'après la vidéo que j'ai suivie, il a dit que nous sommes une jeune démocratie. <laughs> une jeune démocratie, ça veut dire quoi Au contraire, on devait même être plus avancé que les autres. Parce que les autres ont fait toutes les guerres qu'ils devaient faire pour instaurer cette démocratie-là. C'est un peu comme à l'époque, j'expliquais à un de mes petits frères à Paris, je lui ai montré, je lui ai montré, n'est-ce pas, des anciennes structures qui avaient été construites dans l'époque des rois, lui, ceci, lui, cela. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'à l'époque, si les gens portaient les pierres, on faisait les échafaudages, on tirait les pierres avec les cordes pour pouvoir bâtir les châteaux que vous voyez là il n'y avait pas de grue. Il n'y avait pas de grue. Il n'y avait pas le matériel que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas accès à ces matériaux-là. Ce sont les ingénieurs de l'époque qui ont fait. Ils ont réfléchi jusqu'à ce qu'ils ont créé tous les matériaux que nous avons aujourd'hui. Donc, ils ont mis mille ans à se bâtir parce qu'ils n'avaient pas le matériel que nous avons aujourd'hui. Parce que si ils avaient le matériel que nous avons aujourd'hui, en dix ans, il serait même plus que ça. Oui, nous n'étions pas encore construits à cette époque. Mais nous, aujourd'hui, quand nous avons vu que nous pouvons aussi nous construire, nous avions déjà accès à ces matériaux. Nous avons accès aux grues. À l'époque, ils se sont construits, ils n'avaient pas de grues. Il n'y avait pas la technologie. À cette époque-là, il n'y avait pas les ordinateurs. On ne pouvait pas monter un projet sur l'ordinateur. Tout ça, il n'y avait rien à cette époque-là. C'est à cette époque-là qu'ils ont fait pour se construire. C'est pour ça que ça leur a pris tant de temps. Exemple palpable, Dubaï. Regardez, allez sur Google, tapez Dubaï il y a 30 ans et Dubaï aujourd'hui. Dubaï il y a 30 ans, c'est le désert total. Dubaï aujourd'hui, c'est le paradis sur Terre. Il y a 30 ans, moins de 30 ans même allez taper sur google la Chine il y a 30 ans il y a 40 ans et la Chine aujourd'hui pourquoi je parle même à Dubaï ou bien en Chine allez taper le Rwanda il y a 20 ans allez taper l'Éthiopie il y a 20 ans et allez taper l'Éthiopie aujourd'hui allez regarder le Botswana en Afrique Qu'est-ce qu'ils racontent de jeunes démocraties? Nous sommes encore un jeune pays. Nous avons besoin de temps pour nous développer. Parce que les autres ont pris 2000 ans pour se développer. Les autres ont pris 1000 ans pour se développer. Les autres ont pris 500 ans pour se développer. Nous, ça fait seulement 60 ans que nous sommes machin, patati patata. Dubaï s'est développé en 20 ans. Pam pam, c'est le paradis terre. Parce qu'eux, ils avaient déjà accès à la technologie. À l'époque, les gens l'ont pris autant d'années parce qu'ils n'avaient pas cette technologie. Ils étaient obligés de porter les pieds sur les têtes, tirer, construire les châteaux. Fais, ils utilisaient tout, était manuel. À la rigueur, les premiers sont passés par la mécanique, les, les mécanismes d'engrenage. On tourne la roue comme ça, ça fait tourner le truc et tout ça. Avant d'avoir accès à la technologie, le fer pour construire les grues. Aujourd'hui, quand on veut construire les gratte ciel on a besoin juste d'une grue qui va porter le matériel envoyé en haut. Or, à l'époque, pour construire même les pyramides que vous voyez là, les gars portaient les cailloux sur les têtes. C'est pour ça. Pour construire les, les châteaux, les gars portaient les cailloux sur les têtes. Et ils, ils ont développé leur, 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 leur pays. Ensuite, ils ont instauré des démocraties après la monarchie. Donc, on ne saurait dire aujourd'hui que nous ne sommes pas développés parce que nous sommes un nouveau pays. On ne saurait dire qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun parce que nous sommes une jeune démocratie. Qu'est-ce qu'on appelle jeune démocratie Vous avez 60 ans pour développer vos mentalités. Pour vous, 60 ans est petit pour développer une réelle démocratie dans un pays. Mais ça veut dire que nous sommes des cancres ou bien c'est quoi Ou alors ça veut dire tout simplement que vous avez échoué. Vous les dirigeants qui êtes à la tête de nos pays depuis 60 ans. C'est tout. On n'a pas besoin de passer par quatre chemins. Qu'est-ce qu'on appelle jeune démocratie C'est comme l'école. Avant, les gens ne partaient pas à l'école. Ils essayaient de réfléchir pour créer des choses. Aujourd'hui, il y a l'école où on transmet le savoir. Alors les gens vont à l'école apprendre, s'éduquer, se former. Vous n'allez pas comparer l'époque où il n'y avait pas ça et l'époque où nous avons accès à tout ça. Paul Bia, tu as accès à la nouvelle technologie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en fais Rien. Tu as accès à tous les mécanismes de développement d'un pays. Qu'est-ce que tu en fais Rien. C'est l'argent qui te manque Non. La seule chose que tu as pu développer au Cameroun, c'est comment rester au pouvoir. C'est tout. Donc ce mensonge qui consiste à dire aux gens non, nous sommes encore un nouveau pays, nous sommes encore jeunes, nous sommes encore ceci. C'est ce qu'on appelle le sophisme. Un raisonnement qui paraît vrai mais qui est faux. La réalité est là, les gens meurent dans nos pays. Les gens meurent au Cameroun. J'interpelle ici Manaouda Malachi et je le mets au défi. J'attrape le type là dans un débat. Je vais le broyer. Je vais le broyer. Parce que, étant ministre de la Santé, il devrait savoir tout ce que je suis en train de dire. En fait, il le sait. Mais il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il est là-bas, pas parce qu'il est compétent. Il est là-bas parce qu'il est l'ami de quelqu'un qui l'a coopté. C'est tout. Donc, on l'a mis là comme au frère mange aussi ta part d'argent. Un peu comme Atangandi qui se balade pour aller menacer nos chefs traditionnels en leur présentant le carton jaune. Voilà quelqu'un qu'on a nommé, qu'aujourd'hui, il peut être ce qu'il est et demain, il n'est rien. Parce qu'on a dit, bon, aujourd'hui, tu n'es plus ministre, rentre à la maison et il n'est plus rien. C'est ça le hic avec les personnes qu'on a nommées. C'est-à-dire, aujourd'hui, il te parle en tant que ministre, demain, on le change, on dit, bon, remaniement ministériel, toi, rentre au quartier. Et il n'est plus rien. J'ai dit bien, il n'est plus rien. Voilà un individu qui fait asseoir nos chefs. Il s'assoit au sommet là, avec les militaires derrière lui. Et il sort le carton jaune. Il dit J'avais apporté le carton dis euh, pour vous dire Vous êtes les auxiliaires de l'administration. Et, et comme ça, et comme ça, il mangeait patati patata. Regardez comment les Noirs piétinent leur propre tradition au profit d'une administration coloniale. Il fait asseoir les chefs traditionnels, les chefs de famille, les papas, les personnes qui ont fondé ce pays. Il les fait asseoir. Et il dit: Il a dit: Vous êtes des auxiliaires, c'est-à-dire un peu comme vous dites, vous êtes sous mes ordres. Mais mon ami, les chefs là existaient avant la création du Cameroun. Aujourd'hui, ils sont en train de phagociter Et ça, avec la complicité de beaucoup de chefs. Qui ont faim. En fait, qui n'ont pas faim, mais qui ont les longs yeux. Parce que si vous ne le savez pas, ces chefs-là n'ont pas faim. Hein? Toutes les populations leur donnent un perdiem. Hein? On leur apporte à manger. On leur donne un perdiem. Ils sont comme des rois de l'époque. Ils n'ont pas besoin de travailler. Ils n'ont pas besoin de travailler. Voilà un individu qui vient s'asseoir en face. Des gardiens de notre tradition ancestrale. Quand on dit tradition ancestrale, on ne parle pas de sorcellerie, de quoi, 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 quoi. Non. Des gardiens de notre, de, de notre tradition ancestrale. Il vient s'asseoir en face d'eux, il porte la veste. Il dit, je suis, vous êtes les auxiliaires de la... C'est-à-dire, d'un mépris. Mais d'un mépris, mais c'est un monsieur qu'il faut gifler. D'un mépris terrible. Il s'adresse à nos pères. Comme ça. Et les Camerounais ne disent rien. Et les Camerounais ne disent rien. Excusez-moi un peu deux secondes. Hum. Excusez-moi un peu, je regarde un peu, je ne sais pas de qui il s'agit là. Bref, Maman Karine, s'il te plaît, bloque-moi les personnes qui ne sont pas les bienvenues ici. Vous voyez? Il méprise tout le monde. Les chefs, ils les méprisent aussi. Mépriser les chefs traditionnels, là, c'est mépriser tous les villages dont ils sont les représentants. Moi, je n'accepte pas ça. En tout cas, Tangand, il me connaît. Il me connaît. Mes chers frères, je m'assois encore aujourd'hui pour vous parler. Le changement est une question de responsabilité personnelle. Chacun doit prendre ses responsabilités comme je prends les miennes. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je vous rappelle encore, je vous ai dit ça l'autre jour, c'est comme si vous n'avez pas bien suivi. Regardez, observez l'attitude du président élu actuellement après son discours de fin d'année qui a été très suivi. Je vous ai dit, l'endroit le plus important, le plus important et le plus décisif de son discours, c'était l'endroit là où il disait. Je fais ma part, faites pour vous. C'est la seule chose que j'ai retenue dans le discours là. C'est la seule chose. Il n'y a aucun décryptage à faire de ce discours. Il n'y a rien à décrypter dessus. La seule chose, je fais ma part, faites pour vous. En fait, il vous appelait à votre propre responsabilité. Parce que la responsabilité du changement est individuelle. Ne croyez pas que c'est écrit sur le front de quelqu'un que celui-ci est obligé de se sacrifier pour nous. Non. Exemple, Célestin Jamel. Vous avez vu qu'à un moment donné, il a dit "Bon, moi je m'en veux aussi manger ma part." Exemple, Jean de Dieu Momo. "Ah, oh, je m'en veux aussi manger ma part." Parce que tout le monde était en train de le regarder, était en train de l'observer, il croyait que le gars allait continuer de bavarder bavarder éternellement. Non. Si les gens de Diomomo ont retourné leur veste. Les Célestins ont fait ce qu'ils ont fait. C'est à cause de nous, à cause de vous. Les personnes qui sont seulement en train de regarder, après, ils s'en vont dormir et c'est bon. Ils confondent une lutte révolutionnaire au Congo. ça. Ils confondent une lutte révolutionnaire à la télévision. cest à on vient regarder la télévision, là, ils parlent bien, hein. ils parlent bien. Après, proup, tu tu pas dormi. Après, ce sont encore les premiers à venir t'indexer. Ah, toi, tu as fait ci. Ah, toi, tu as fait ça. Ah, vraiment, comme si c'est écrit sur ton front que mon frère, tu seras révolutionnaire. Pendant que lui vit sa vie, il dit Toi, là, tu vas, te tu vas te sacrifier pour nous. Hein, Tu vas te sacrifier pour nous. Non. Chacun doit prendre sa responsabilité. Chacun doit prendre sa responsabilité. Je répète encore l'endroit le plus important dans le discours du président. Le discours. Regardez, il a fait son discours et puis c'est tué. Depuis, vous avez vu que le président lui fait presque un mois et il ne parle pas. Il vous observe. Chacun est face à ses responsabilités. Tu veux le changement, bats-toi pour obtenir ce changement. Tu veux que Bia parte bats-toi pour que Bia parte. Tu veux qu'il y ait les hôpitaux, les écoles, bats-toi pour instaurer un nouveau gouvernement. Paul Biya ne mettra jamais en place un système électoral qui va le faire perdre. Le régime Biya ne le fera jamais. Si vous attendez, attendez. Ils vont faire perpétuer ce régime comme ça se passe là-bas au Togo. Comme ça se passe en Guinée-Équatoriale, comme ça s'est passé au Gabon. Ils vont faire perpétuer ce régime. Au Gabon, Ali Bongo, c'est la, la continuité, non C'est la continuité de Oman Bongo. En Guinée équatoriale, le type, il est en train de mettre son fils. il est en train de mettre son fils, non hey, La continuité. Au Togo, Eyadema, il a mis son fils. La continuité. C'est la même chose qui est en train de se passer au Cameroun. Ils vont faire perpétuer le régime. Actuellement, celui qui gère le Cameroun, c'est Ferdinand Gongo. Et c'est Chantal c'est Chantal Biaki le second. En fait, ce sont les deux. Ferdinand Gongo, c'est lui qui gère le Cameroun. C'est le vrai président. Je vous l'avais dit en juin, depuis juin 2019. Depuis juin 2019. Si oui. Depuis 2019, je vous avais déjà dit ça. Que c'est Ferdinand Gongo qui gère le Cameroun. Je vous ai dit ça en 2019. Non, c'était avant juin 2019. Mais je vous ai dit ça, en 2019 là, je vous ai dit que c'est Ferdinand Gongo qui gère le Cameroun aujourd'hui. Vous avez constaté aux oh, délégations de signatures, délégation permanente de signatures, oh maintenant vous voyez là, le champ, on, on met Ferdinand Gongo partout. Ferdinand Gongo à gauche, Ferdinand Gongo à droite. Ferdinand Gongo, ça va faire un tour quelque part, il y a les militaires, il y a les policiers, il y a les ceci, on baisse la tête avant de le saluer un secrétaire général à la présidence. Ah oui, ah monsieur, tu vois, tu vois les généraux, les commandants, les colonels, tu vois les préfets, les sous-préfets, -tout, tout le monde est là. En train. Eh oui monsieur, oui monsieur, en fait c'est lui le vrai président parce que c'est son réseau qui gouverne le Cameroun actuellement. Paul Atangan dit c'est l'homme de main. Paul Atangandi, c'est l'homme de main de Ferdinand Gongo. Tant que Ferdinand Gongo a étudié, Paul Atangandi n'ira nulle part. C'est son homme de main. Il gère, il gère les dossiers noirs de Ngongo de depuis des années. C'est son homme de main. Atangandi est un ancien braqueur, ancien fabricant de faux billets, ancien prison. Il a fait deux fois la prison de New Atangandi. Mais il est ministre de l'administration territoriale aujourd'hui parce que c'est Ferdinand Gongo qui a décidé qu'on le mette là-bas. Atangandi était l'homme de main de Ferdinand Gongo. Il l'est, pas qu'il est, il est l'homme de main de Ferdinand Gongo. Comprenez bien ce que je vous dis. C'est Ngongo qui est président au Cameroun actuellement. Voilà. Donc, continuons d'observer. Continuons d'observer. Chacun va dormir, attendre. Quand Max se connecte, on vient, on écoute un peu, on ne va pas dormir. On va rester là même 5 ans, 10 ans. Ça va toujours continuer comme ça. S'ils sont toujours là-bas, s'ils sont toujours dans ce gouvernement-là, c'est de notre faute. Arrêtons de tirer sur les Français, arrêtons de tirer sur les ceci, arrêtons de tirer sur les cela, c'est de notre faute. Dernièrement, je vous avais dit cela, qu'il est, est très maladroit d'être dans la position que nous sommes et de tirer sur des personnes qui pourraient être des partenaires, qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs. Vous nous avez traité de tous les noms d'oiseaux ici. Aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui ont négocié la, la libération du président élu, c'est les gens-là. Les gens sur qui on était, vous étiez en train de tirer matin, midi, soit dit oh, ceci, oh, cela, fait vidéo, fait ceci, fait cela, sur, sur une base de faux. On n'accuse pas les gens sur une base de faux. On peut avoir une conviction sur quelque chose, mais avant d'affirmer, il faut avoir les éléments concrets. C'est tout ce qu'on avait dit. Hein. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas traité? Ah, oh, nous sommes les agents de la France. Oh, nous a, vous êtes vendus. Vous êtes toujours en train de chercher à descendre les gens. Or, ce n'est pas nous qui sommes le problème du Cameroun. En réalité, ce n'est pas nous qui gérons le Cameroun depuis. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Parce que si ce régime est encore là, c'est à cause de nous. Quand je dis nous, je dis le peuple. Donc moi, je fais quand même ma part. Mais quand même, je ne peux pas me sorti du lot. Nous tous là, nous sommes concernés parce que j'ai aussi vécu là-bas. Je suis déjà en train de faire ma part parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est nous. Nous devons prendre nos responsabilités. Ce que je veux, c'est que vous aussi, vous vous rendez compte que c'est vous. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et si on se décide de ce régime-là, même demain, il tombe. Je me répète bien si on se décide, si chacun d'entre nous prend ses responsabilités, camerounais de l'étranger, camerounais du Cameroun, demain matin ce régime la tombe. Il y a eu une révolution en Tunisie non Le régime a bien le, après la révolution tout se passait bien. Après il y a eu un nouveau président en Tunisie quelques années plus tard qui est en train de faire les choses, le pays va un peu en rétrograde. Les Tunisiens sont dehors actuellement là où je vous parle. Les Tunisiens sont dehors actuellement à l'heure où je vous parle. Ils n'entendent pas ça. Ils savent que leur pays doit être bien dirigé. Si le pays n'est pas bien dirigé, ils sortent. C'est tout. On n'a pas attendu. Les Tunisiens n'ont pas fait les directos, les ceci, machin. Etc. Ils savent déjà. C'est une culture que si le président-là, il ne gère pas bien, c'est notre emploi. On le chasse. Et les Tunisiens actuellement sont dehors en train de demander le départ du gouvernement qui est là. Ils ne perdent pas le temps. Ils ne perdent pas le temps. Mais nous, là, on va bavader, 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 bavader. La gorge va partir, la tension va monter, les nerfs vont se te tendre. Tout, 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 tout. Si on se décide, demain, il part. C'est ça qui est la vérité. Beaucoup n'aiment pas entendre. Remarquez bien, il y en a qui, ont, qui sont atteints du syndrome de Stockholm, mais ils ne sont pas nombreux. Mais les personnes, nos principaux détracteurs, nos principaux détracteurs, ce sont les gens qui profitent de ce régime. Parce que je vous avais expliqué ce que c'est qu'un sardinat. Un sardinat ne dit pas qu'il défend le régime BIA parce qu'il aime trop le régime BIA, il aime trop le Cameroun. Non, il défend sa mangeoire. Il défend sa mangeoire. Je vous avais expliqué ici que si vous dites à un policier qu'il faut le changement, le gars regarde comme ça là, il voit que s'il y a changement, la police sera bien structurée, il ne va plus aller en route, arracher les 5, 500, les 1000 francs au taximan. Le gars va te dire changement, tu es fou, jamais. Donc je vais seulement vivre de mon salaire, jamais. Parce que le policier, avec le système de corruption qu'il y a au Cameroun actuellement, le gars sort, il va en route, chaque soir il rentre avec 50 000. Tu vas venir lui dire changement, il regarde le système qui est en place, il regarde le nouveau système, il regarde comment tout sera propre, structuré. Les policiers ne vont plus abuser des taximans, des motos taximan ils ne vont plus abuser des gens pour prendre de l'argent et rentrer chez eux avec. Il va te dire mon frère, il va se battre jusqu'à la mort pour que le système l'a perdu. Parce que c'est son c'est son revenu qui compte. L'individualisme, l'égoïsme. Tu vas dire à un douanier, sous Paul Bia, tu vas lui dire que, gars, il faut que le régime change. Le douanier s'assoit, il regarde, il voit comment, quand il part au port, ou bien il part à la frontière, ou bien il part à l'aéroport. Le gars, il, petit business, corruption, ceci, cela, pour faire sortir une voiture. Le gars te taxe chaque soir, il rentre avec 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, chaque jour. Tu lui dis qu'il faut que le système change. Le gars regarde le nouveau système, il voit que tout sera structuré. Si bien qu'il sera seulement là pour faire son travail et attendre son salaire à la fin du mois Et avec des primes, s'il a bien travaillé Le gars va regarder et dire que bon, je serai douanier Je vais peut-être toucher 200 000 ou 300 000 à la fin du mois Or, ici là, je touche les 300 000 chaque jour Avec le système bien Mon frère, le gars va te dire changement de quoi Il va rester dans le système là Le pays n'a qu'à dégringoler comme c'est en train de dégringoler C'est pas leur problème quand vous voyez un inspecteur de douane qui construit des maisons d'une valeur de 500 millions, 400 millions, 300 millions, or, il n'a même pas deux ans de service, vous croyez que l'argent la sort d'où C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le système change. C'est donc ça qu'on appelle le sardinat. Il y a les sardinats qui sont atteints du syndrome de Stockholm. Ils ont tellement faim que quand ils voient un pain et une sardine, ils sont obligés de donner. De dire que, bon, en tout cas, moi, je veux manger le pain, lait, la sardine aujourd'hui et après, on va voir. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est quelqu'un qui a atteint du syndrome de Stockholm. Parce que tellement tu l'as traumatisé, terrorisé, que le gars te regarde maintenant comme son sauveur quand tu viens lui donner un petit 5 francs. Mais ils ne sont pas très nombreux. Les sardinats, c'est ceux qui profitent de ce système-là. Ceux qui profitent de ce système-là. Ceux qui sont dans les administrations, ministère des Finances, Trésorerie nationale, partout, partout, ou quand tu viens pour un dossier administratif qu'il doit normalement signer et faire passer devant, il te dit, avant que je ne signe ça, il faut que tu me donnes mon enveloppe, il faut que tu me donnes ma bière. Et puis, résultat, le soir, il rentre avec 50 000, 100 000. Tu lui dis non, il faut que le régime en place change parce que le pays doit se développer. Il va regarder le nouveau système, il voit que non. Il sera en train de travailler dans l'administration, comme on voit ici. Il travaille normalement, il reçoit les coups de fil, il signe les documents qu'il a signés, il envoie devant, il fait passer tout, tout, tout. Il va gagner quoi? La question qui va se poser, c'est que moi je gagne quoi là? Mon frère, on change qu'on change quoi? Zéro changement. On va seulement rester dedans. C'est ça le sardinat. Tu vas dire à un juge. Sous le régime Dia, tu lui dis qu'il faut le changement. Il regarde comme ça. Il voit que non. Pour que je juge le dossier si sous le régime Dia, avec le système de corruption, pour que je, je fasse passer le, le dossier si à la barre, pour que je prenne ma décision, je vais d'abord demander qu'on me donne un million, deux millions, trois millions, avant que je voie si je veux faire passer le dossier là au tribunal ou pas. Ou, je vais, ou alors je vais dire, bon, écoutez, renvoyer, renvoyer, comme ils sont en train de renvoyer actuellement, c'est un abus de pouvoir. Renvoyer, 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 renvoyer. C'est un abus. Ils voient que bon, pour que le dossier passe, pour que je signe si, ou bien pour que je signe ta libération, ou bien que je fasse ceci. Tu vas me donner 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Et si j'ai 10 dossiers comme ça par jour, ça peut me faire un 10 millions par jour. Oui, il y a des juges au Cameroun qui sont capables de gagner chaque jour au moins 1 million, 2 millions, jusqu'à 5 millions. Ça dépend de l'affaire qu'il y a sur sa table. Le gars va regarder le système là. Ensuite, il va regarder le système, le nouveau système bien structuré, où le juge va faire son travail, juste son travail et rien que son travail. Passer les journées à étudier les dossiers, aller à la barre. S'asseoir, juger normalement comme il se doit, rentrer chez lui. Il va regarder. Le système BIA lui permet d'avoir au moins 5 millions chaque jour. Et le nouveau système, avec le nouveau cam Cameroun, le changement bien structuré, n'aura rien. Il va se contenter de son salaire. Le gars va te dire quoi Changement de quoi Mof, je vais rester dans le système BIA. C'est ça. C'est ce qu'on appelle Sardina. C'est comme ça que le système BIA est. Tu vas voir un procureur. Le gars a des dossiers. Il ne fait passer aucun dossier devant le juge. Il dit qu'avant d'abord, bon, il a le pouvoir de libération, le procureur. Il dit: bon, toi, je peux te libérer si je veux. Toi, je ne te libère pas. Toi, je peux te libérer. Donne-moi 5 millions. Donne-moi 200 000. Donne-moi 500 000. Donc, le système de Bialui permet ça. Il va regarder le nouveau système qui va lui imposer de travailler avec impartialité. C'est-à-dire traduire tout le monde devant le tribunal et le juge va décider avec impartialité. Te permettre d'avoir un avocat commis d'office et consort. Non. Le gars va regarder, il va dire, mais avec ça, je gagne quoi Oh, avec le système, si je gagne moins de 2 millions, 3 millions. Le gars va te dire, zéro changement. Voilà donc ce qu'on appelle les sardinats. Donc ne vous inquiétez pas, quand les sardinats gesticulent comme ils gesticulent, là, ce sont les gens qui profitent du régime. Mais tôt ou tard, ça va changer. Chacun va travailler à la sueur de son front pour manger. Parce que, tellement ils sont individualistes qu'ils oublient que pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font là, ils sont en train de pousser le pays au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Ils le savent, hein, mais ils le font parce qu'ils pensent d'abord à eux. Tellement. Ils sont attachés aux biens matériels. Qu'ils oublient que parce que tu as pris 500 000 pour libérer un assassin, l'assassin va encore aller tuer demain. Et quelqu'un sera mort à cause de toi. À cause de 500 000. C'est exactement ça. Et donc, ils ne veulent pas. Ils s'en Mais ils s'en foutent. Ils ne veulent pas que ça change. Et maintenant, le peuple qui est embrouillé dans tout ça se retrouve en train de s'attaquer aux faux problèmes. Un peuple. Qui laissent les vrais voleurs au sommet de l'État. Mais qui viennent exercer leur colère sur le petit voleur de porte-monnaie, le petit voleur de tomates. Je vous avais dit ici, les gars, si vous voyez un jour, vous marchez, vous voyez à la justice populaire, filmez les gars qui sont en train de taper le bandit. Filmez-les, envoyez-nous. On va les exposer ici sur les réseaux sociaux. Et le même régime-là va les attraper, on va les mettre en prison. Si vous voyez les gens, je sais que ça va choquer beaucoup, mais vous allez comprendre quelque chose. Si vous voyez les gens en train de tabasser un bandit en route jusqu'à le brûler, la justice, ce qu'ils appellent justice populaire, filmez-les, envoyez-nous les vidéos, envoyez-nous leurs photos, on va les exposer ici pour qu'ils comprennent. Que si ces gens volent, c'est parce que le système en place ne leur permet pas de s'en sortir. Ils sont obligés de voler un petit ci pour manger, voler un petit ça. Ils vont dire non, fumeur de drogue. Si vous partez poser la question aux gens là, pourquoi vous fumez la drogue C'est que tellement il est dépassé, d'autres vont tomber dans la dérive, d'autres vont tomber dans, à cause du système qu'il y a en place là-bas. C'est à cause de ce système là. Que ces jeunes se retrouvent en train de voler le porte-monnaie, le téléphone portable pour aller vendre, avoir un peu de trucs pour manger. Oui, c'est à cause de ce système-là. Donc vous ne pouvez pas laisser les grands voleurs de la République avec toutes les preuves qu'on met à votre disposition. Si vous êtes trop fâché, faites la justice populaire sur les grands voleurs de la République. Comme ça, là, vous n'aurez plus les petits bandits qui vont venir vous braquer au quartier. Parce que nos pays là en Afrique, là, si c'est bien structuré, il y aura le travail pour tout le monde. Et je ne vois pas quelqu'un qui est en train de travailler à les voler. Non. Les jeunes sont désorientés. Quand vous attrapez un petit arracheur de sac au marché, vous le brûlez. Mais quelqu'un a volé les milliards qui pouvaient faire en sorte que toi-même qui le brûle là, tu aies un bon emploi. Tu le laisses, hein. Quand il passe même, tu dis Oh, monsieur le ministre. Oh monsieur le DG, oh monsieur ceci, il vole votre argent, il vole votre argent. Mais vous attrapez le petit voleur du quartier, vous le tuez. Vous le brûlez. Ah, il vole, il doit se battre. Se battre là, ça veut dire quoi Se battre là, ça veut dire quoi Vous êtes né pour souffrir Tu es né pour être moto-taximan le taxi au Cameroun, ça te rapporte quoi? Les taxis ici sont bien structurés. L'État subventionne même les taxis. Mais chez vous, là-bas, on vous donne tellement de papiers à payer que vous-même vous mettez encore les mains sur la tête. Les motos taximans, même chose. Ici, il n'y en a pas de moto taximans ça n'existe pas. Tu es né pour être Benzikineur. juste à ce que tu attrapes un bandit, tu dis, il faut qu'il aille se battre comme moi, faire la moto, au machin, est-ce que c'est ça le travail d'un jeune? Les jeunes doivent rêver et le gouvernement en place doit mettre doit structurer la vie de ces jeunes, c'est son travail, c'est le travail de ce gouvernement. Le travail du gouvernement là, ce n'est pas d'acheter les grosses voitures et venir vous naguer avec. Ce sont ces vrais voleurs que vous devez attraper. Ce ne sont pas les jeunes petits voleurs du quartier. Parce que ces petits voleurs du quartier ne sont que des victimes du système qui est en place. Voilà. C'était mon mot de fin. C'était Max Seigneur Ivoire. Les gars, que chacun prenne ses responsabilités. Abonnez-vous à la nouvelle page. Abonnez-vous sur Twitter. Le lien est cliqué là. Le lien est épinglé autant pour moi. Abonnez-vous sur Twitter. Abonnez-vous sur la nouvelle page ici. Et surtout, partagez-la. Chacun prend ses responsabilités à son niveau. Abonnez-vous sur Twitter parce qu'on a des activités qu'on est en train de faire sur Twitter et c'est en train de porter des fruits. Donc, abonnez-vous sur mon compte Twitter. Vous cliquez sur le lien qui est épinglé là et abonnez-vous à la nouvelle page ici parce que c'est ici que je vais vous servir les vidéos, les directs, les vidéos, les directs maintenant tous les jours. Je vous ai dit que l'évêque est de retour. Je suis en train de travailler sur le relancement de la grande messe. L'évêque est de retour. Les sardinats tremblent Parce que quand je suis un peu. Je me suis un peu tué là. Les gens sont en train de... Ils jubilent. Ils disent que la révolution est finie. La révolution est finie quand C'est parce qu'ils pensent que tout ce qu'on fait, on vient mettre sur les réseaux sociaux. Non. Nous, on travaille avec des stratégies qu'on ne met pas sur les réseaux sociaux. Donc, passez une bonne soirée et rendez-vous très prochainement.